Bienvenue dans cette présentation du micro Tonor USB qui fonctionne donc avec iPad, iPhone, iPod mais également PC, Mac. Alors précisons dès à présent que ce micro est livré dans un coffret qui permettra également son transport. Cela est appréciable. Mais le point négatif, c'est peut-être le choix des matériaux, des plastiques durs qui semblent être cassants. C'est le cas également pour le support, le pied qui est amovible, mais dont on sait qu'ils ne seront pas éternels. Si ça tombe, ça risque de se casser. Alors l'avantage quand même, c'est que ça fonctionne sur iPad et que pour un micro de ce prix-là, on pourra aisément l'utiliser dans l'éducation avec un PC, un Mac ou bien avec des tablettes, hein, puisque ça fonctionnera également sûrement sur Android et les tablettes Windows à vérifier. Mais cela est quasiment certain. Du coup, ça en fait un beau micro pour enregistrer des podcasts, enregistrer des interviews, des choses comme ça, peu onéreux, et surtout qu'il y a le style, quoi, pour que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne également sur OS X. On voit ici en bas que dans le micro entrée, on peut relier celui-ci. Et je précise que tout ce commentaire a été réalisé avec le micro, ce qui vous donne une idée de son. Et je détaillerai ça dans le com'.